C'est derrière cette porte qu'étaient accueillis les enfants en bas âge, dans ce petit appartement où ils étaient regroupés dans des lits ou à même le sol sur des couvertures. Selon les fonctionnaires de la sûreté départementale qui ont perquisitionné les lieux mercredi, il y avait là 26 bébés dans 25 mètres carrés. Souvent j'entends du monde en bas, j'entends des mioches qui crient, qui hurlent et tout, mais je sais qu'apparemment il y a une crèche qui fonctionne. Bon, si c'est illégal ou pas illégal, ça je peux pas savoir parce que je travaille pas avec eux. Une crèche clandestine qui accueillait les enfants en toute illégalité, sans autorisation et sans même l'équipement nécessaire pour ce genre d'établissement. Deux femmes ont été interpellées dans cette affaire. L'une d'elles, la responsable, est une ancienne infirmière de 59 ans. Elle faisait payer 17 euros pour une journée de garde. On a véritablement diabolisé ma cliente en laissant penser qu'elle avait pu traumatiser les enfants ou abuser d'eux ou abuser des parents. On a dit que ces enfants étaient élevés comme des poulets en batterie. C'était très très loin de là. Les chiffres qui ont été donnés ont grossi la réalité de la situation. Les deux personnes interpellées dans cette affaire sont ressorties libres de garde à vue. Elles sont visées par une procédure pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui.